je vous reprends, on est mardi 11 avril. Mélo vient de partir, elle est passée à l'appartement alors que je sortais du travail. Et on vous a tourné deux comparaisons, je suis trop contente. Déjà parce que, un, c'est fait, et deux, parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore tourner. On a des trucs à se dire et tout, c'est... Enfin, on a toujours des trucs à se dire, mais en particulier quand on fait les comparaisons, là, c'est vraiment trop bien. Et moi, en fait, j'étais partie du principe que j'avais beaucoup de temps aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'avais ce sentiment d'avoir du temps, et ça fait du bien. Je m'étais dit que j'allais vous tourner des vidéos, des points lecture ce soir. En l'occurrence, je ne le ferai pas ce soir, peut-être demain soir, déjà parce que ma batterie n'a plus de batterie. Voilà, faut vraiment, vraiment, vraiment que je me bouge les fesses et que je rachète une batterie, que je puisse faire des tours. Donc là, il est 20h30, je vais me préparer des pâtes parce que j'ai pas pris le temps de m'occuper de faire des courses, donc je vais m'occuper de ma liste de courses ce soir justement. Enfin, il s'est passé plusieurs choses aujourd'hui. Vous avez choisi ma prochaine lecture, il s'agira de L'Heure lointaine de Kate Morton et j'ai vraiment hâte de le commencer, donc ce sera pour ce soir là. Ensuite, ce midi, c'était un peu particulier ce midi, j'avais des colis à déposer parce que mon Vinted a été dévalisé, mais vraiment ça m'est jamais arrivé et là je suis rentrée chez moi et je crois que j'ai encore vendu 3 livres. Comme ça, enfin deux livres et une pop, je crois, quelque chose comme ça. C'est, ça m'était jamais arrivé. Donc voilà, j'ai été déposer les premiers colis le midi et j'en ai profité pour faire un tour en librairie parce que c'était pas loin. Et il se trouve que j'ai acheté le tome 2 de Magic Charlie parce que j'en ai entendu beaucoup de bien à plusieurs reprises. Moi, j'avais passé un bon moment avec le tome 1, mais sans plus quoi. Et en fait, ce que j'en ai entendu là, maintenant, m'a vraiment convaincue de lire la suite. Donc je l'ai acheté en partant du principe que ce serait ma lecture après le Kate Morton. Et enfin, dernière news côté lecture, j'ai commencé Teasery, puisque je pense que j'avais vu passer le truc, mais bon, je suis pas trop sûre. J'ai beaucoup de crédits audibles que j'ai payés, donc, et que j'ai pas utilisé. Donc j'ai failli les perdre, là j'ai dû aller me battre un petit peu, faire une petite réclamation. Au service. Super. Au service Audible de Amazon. Et bon, ça m'a un peu gavé, mais c'est bon, je suis de nouveau abonnée. Et ils m'ont réactivé 6 crédits. Je crois que j'en avais un peu plus, mais ouais, ils m'ont réactivé 6 crédits. Je suis contente. Et donc, j'ai acheté Teasery avec. Que j'ai commencé et je me dis ça m'occupera un peu sur le chemin du matin, du soir, du midi. Techniquement je marche on va dire entre, ça me permettrait de calculer ça, mais 15-20 minutes aller, 15-20 minutes retour, et ça m'arrive pas tous les jours, genre probablement pas demain, mais ça m'arrive de faire l'aller-retour deux fois dans la journée, donc de marcher une bonne heure. Il y a 11 heures d'écoute. Je dis pas que je le finirai en 11 jours, mais ça me paraît un bon moyen d'avancer dans mes lectures du PIB sans que ça me bloque et que je ne commence pas une autre lecture. Comme vous l'entendez, j'ai encore le nez un peu pris. Merci à ceux d'entre vous qui ont pris des nouvelles dans les commentaires du dernier vlog, c'est très gentil. Je vais beaucoup mieux. je suis juste un peu enrhumée, mais là je sens que c'est la fin. Voilà, voilà, donc là je vais aller me préparer mes pâtes. Moi j'aime bien juste des linguinis avec du beurre et du parmesan, ça me suffit. Donc j'ai mangé ça devant un épisode de l'agence. J'ai presque terminé la saison 3. En bonne compagnie bien sûr, puisque ce petit être que vous voyez là a été tout seul toute la journée. Et il m'a fait un peu de peine ce matin parce que quand je suis partie, il a vomi son petit déj, qu'il a remangé ensuite, hein, donc tout va bien, mais... Sur le coup, je me suis un peu inquiétée. J'avais peur, enfin voilà, j'étais un peu triste de ne pas le retrouver ce midi et tout. Et du coup, quand je suis rentrée, c'était les câlins, les ronrons, enfin un peu tout quoi. Donc voilà, il m'a suivi dans toutes les pièces. On sent qu'il s'est senti un peu seul. Et sinon, je vais peut-être me faire une carbo en fait, je sais pas trop. Je n'ai pas décidé en fait. Beurre parmesan ou carbo parmesan. Enfin, carbo. Crème lardon. Avec du parmesan. Bref, sur ce, je vous laisse.
je suis essoufflée. Je vous reprends, on est mercredi 12 avril. 12 ? Oui, 12. 12 avril. Et je viens de tourner, la vidéo présentation contemporain, cette fois, pile sur laquelle vous vous trouvez, que je vais enfin pouvoir ranger et donc dispatcher entre mes différentes bibliothèques. Je crois que parmi ceux-là, je vais tous les garder, ce qui est plutôt cool. Je sais pas du tout quand est-ce que vous verrez cette vidéo, parce que Mélo est venu hier. Je crois que je vous l'ai dit, et on a tourné deux comparaisons, et puis bon, il y a les lectures du Plib aussi qui vont arriver, donc voilà, hein. En termes de lecture, hop, bah ouais, coucou, ouais, tu viens dire bonjour au vlog, coucou, il est très très câlin aujourd'hui, Enfin, câlin. En demande d'attention. Je sais pas où tu vas, là. Si ? Tu sais où tu vas ? Ok. Bon. Oh oui. Oh oui. D'accord. Ouais. En termes de lecture... Ce que j'aimerais finir ce soir, c'est Beyond the Clouds, parce que là j'en peux plus, j'arrête pas de vous en parler. Je pense que ça fait au moins 2-3 vlogs que je vous en parle. Je suis toujours pas à la moitié du tome 5, qui est pourtant le dernier tome, et ça me saoule, voilà, je me gave moi-même, je sais pas pourquoi je suis un peu... Voilà, qu'est-ce qui m'a un peu détachée de cette lecture? Bah si, je suis bête, les comptes suspendus que j'ai pu ranger puisqu'on vous a tourné la comparaison. Mais voilà, il faut que je le reprenne, que je le termine. Et hier soir, j'ai commencé Les Heures Lointaines de Kate Morton. Quand je dis commencer, c'est vraiment, j'ai lu 30 pages sur un roman. Oh purée, j'avais pas vu, qui en fait 826. Oh là 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 là, ça va être une longue lecture. D'ailleurs, là, j'ai cette couverture-là aux éditions Pocket. Il me semble que c'est en train de reparaître là. Ils sont en train de refaire des nouvelles couvertures pour certains romans de Kate Morton, si jamais vous n'aimez pas trop celle-ci. Mais je crois que déjà, Mélo et moi, on n'avait pas la même couverture. Alors qu'on avait acheté toutes les deux le même livre, on s'était offert en swap, il me semble, celui-là. Ou alors c'était La Scène des Souvenirs, je sais plus. Il m'en reste encore un après celui-là, c'est La Prisonnière du Temps, je crois. Et je sais plus du coup si j'en attends encore un qui est pas sorti en poche. Enfin, est-ce que j'en ai un de retard qui serait pas encore sorti en poche ou pas? Je ne sais pas. Je vais checker ça. Donc voilà, comme d'habitude, avec Kate Morton, il y a une... comment dire? Il y a tout de suite une mise dans l'ambiance. Enfin, dès le prologue, on sent qu'on lit du Kate Morton. C'est un roman d'ambiance. Purement un roman d'ambiance. Alors, il y a aussi du mystère, bien sûr. C'est mystère, secret de famille. Mais là, en l'espace de 30 pages, elle a réussi à créer... Je me souviens surtout du prologue. Le prologue m'a énormément marqué. C'est que de la description, il n'y a pas de dialogue. Mais c'est d'une richesse en termes de description. C'est incroyable. Vous savez que j'aime les descriptions. Donc voilà, c'est une autrice, que j'aime vraiment beaucoup. Ce que je vais faire là, c'est qu'il est 19h. Donc je vais aller me mettre devant un épisode de L'Agence. et puis voilà, je vais faire ma vache sur mon canapé avant de finir ceci. Il le faut. Ou l'inverse, je ne sais pas. Bref, on se retrouve plus tard. Ah, la mauvaise surprise! J'ai laissé la... J'allais justement vous reprendre pour vous dire, je vous ai pas attendu pour faire le ménage parce que la GoPro n'a pas l'air de charger très vite. Et vous faire du coup le bilan de ce que j'avais fait ce matin. Et là, je vois quoi? Et bah qu'elle n'a pas chargé du tout, donc je sais pas combien il y a, ouais. Elle a chargé 2%, donc je suis plutôt vénère. Alors j'ai pas utilisé son chargeur, mais ça avait marché la dernière fois, donc c'est pas grave. Bon. On va faire un bilan rapide et puis je vous montrerai pas malheureusement le rangement de la suite.
Donc, on va se mettre là. Voilà. Donc là, c'est un peu moins le bordel. Là, c'est moins le bordel. Là, c'est un petit peu le bordel, mais moins le bordel. Le canapé. Voilà, cette partie-là. Cette partie-là est full rangée. Voilà, donc au moins, ça, c'est fait. Mais le problème, c'est que du coup, ça donne envie d'aller se poser et que c'est pas le moment. Là, il me reste. Enfin, voilà. Honnêtement, ça va. Et pour le coup, j'ai pas juste déplacé le bordel, j'ai vraiment, vraiment rangé. Ça, je sais où ça va. Ah, attendez. J'ai un coup de fil. Me revoilà. C'était la livraison d'un bouquet de fleurs qui est absolument magnifique. Il est trop beau. Bref, voilà, c'est un cadeau de mon mari. J'ai également, du coup, j'en ai profité pour ouvrir ma boîte aux lettres et j'ai reçu quelque chose et je crois savoir ce que c'est. Donc, du coup, je vais l'ouvrir avec vous. Et après, j'irai mettre charger la caméra. Hein, j'irai mettre la caméra à charger. Hop. Ah. Au secours. Donc, c'est bien ce que je pensais que c'était. Il y a Chester qui est déjà en train de sentir. C'est tout bien emballé. Hop. Alors, c'est une gigoteuse. Voilà, c'est une gigoteuse 0,6 mois. Je sais pas si vous la voir en entier avec fermeture éclair qui s'ouvre en entier, des petits boutons pression et un tissu tout doux. Voilà, et voilà. Et j'ai choisi ce motif là que je trouve trop trop joli. Voilà, il y a Chester qui se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, je suis ravie, elle est sublime. Elle est sublime. Bon, va falloir la mettre à laver. Je vais bientôt faire, je pense, une grosse lessive bébé. Donc, voilà, je cherchais des petits créateurs pour faire des gigoteuses. Et en fait, cette créatrice-là avait des tissus que j'ai trouvé juste absolument sublimes. Et elle en a sorti un autre dans les couleurs que je cherchais aussi. Donc je lui en ai commandé une deuxième que cette fois j'ai fait broder au nom du futur bébé. Donc je vous la montrerai sûrement pas. Enfin voilà, peut-être pas tout de suite quand je la recevrai. De toute façon, je pense que je la recevrai pas avant un bon mois. Puisque là, ça faisait un mois à peu près que j'avais commandé ça. J'ai fait une autre commande, alors du même genre, pas exactement, mais j'ai commandé un tapis d'éveil fin mi-février, fin février. Et j'ai toujours pas de nouvelles. Je vous avoue, là, ça fait 2 mois. Donc je vais recontacter la créatrice juste pour savoir où ça en est, en fait. C'est tout. Bref, je suis ravie. Voilà, c'est la journée des bonnes surprises. Bon, du coup, ça rajoute. Ça met un peu le bordel là où j'ai rangé, mais c'est pas grave, je vais re-ranger. Chester, coucou mon chat! Lui, il est bien content, son spot. Coucou! Ouais, voilà. Donc, vraiment, là, je suis plutôt contente. J'ai mis mes deux Saxus là-haut puisque je vais pas les lire tout de suite. Voilà. Là par contre, ça n'a pas bougé. Voilà, c'est toujours le gros bordel. Ici pareil. Et la cuisine par contre, voilà, j'ai rangé, j'ai passé un petit coup d'éponge. Franchement, c'était pas le ménage du siècle, j'ai fait très vite. Mais au moins c'est rangé. Je suis juste deg parce que j'ai l'impression que ça fuit. Et je. Ça me saoule, c'est pas sa place, mais ça fuit, donc j'attends de voir. Je me suis occupée de la caisse du chat et j'ai découvert que
Alors, je vous en avais jamais parlé, mais on l'a mise là. Et en fait, c'était pas sa caisse précédente, ça, c'est sa caisse de voyage. Et en fait, sa caisse précédente, c'était une caisse complète, fermée. Et la problématique que je viens de repérer en faisant sa caisse, c'est que parfois, il va faire ses besoins très très loin au fond de sa caisse, donc quasiment contre le mur. Et j'ai remarqué qu'en fait, ça, en ce qui concerne le pipi, ça coulait en dessous. Et donc, du coup, ça a coulé sur mon parquet qui est en dessous. Donc, va falloir que je trouve une autre caisse dans les bonnes dimensions pour que ça rentre pile poil là. Ce qui n'est pas visiblement, ce qui va peut-être pas être si facile que ça. Voilà, donc je suis un peu deg. Et sinon, concernant la chambre, bah, c'est là que j'ai rien fait. Globalement, j'ai foutu, j'ai pas fait de lit, j'ai vraiment rien fait, j'ai juste migrer ce qui était censé se trouver dans le. Ce qui était dans le salon mais qui est censé se trouver dans la chambre, je l'ai migré ici et puis bah je rangerai du coup cet après-midi je pense. Puisque là je vais me préparer un petit quelque chose à manger même si j'ai pas faim. Peut-être des haricots verts, un petit peu de haricots verts et un steak de boulgour. Et puis je vais mettre cette caméra à charger et m'occuper de mes fleurs. Parce que ça, c'est un gros sujet. Je n'ai aucune idée de où est mon. Ah, bah si, je l'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé mon vase. Oups. J'étais en train de me dire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais en fait, c'est parce que je l'ai mis là. Donc, il y a mon bouquet de mariée qui est juste là. Et ben du coup je ne sais pas comment faire. Va falloir que je m'en achète un. Je vais m'acheter donc un autre vase. Ouais. Faut que je fasse ça. Faut que je trouve ça dans la journée là. Et je vais peut-être le mettre dans une bassine en attendant. Bref. Voilà. De toute façon je vous reprendrai pour faire le bilan, le next bilan. Et je vais aller tout de suite mettre la caméra à charger. Hello, je vous reprends. Il est 16h, je crois. Un peu plus. Et ma foi, alors, c'est pas parfait, mais bon, bah, ça c'est sûr. Mais par contre, là, on est à peu près clean. Là, c'est les deux colis que je dois déposer pour Vinted. Je vais réveiller mon ordi. Et j'ai aussi rangé du coup la cuisine. Il y a des petits restes après le déjeuner, c'est toujours pareil. Mais j'ai fait le lit, j'ai rangé la chambre. Donc voilà. Faut que je descende la valise à la cave. Et la salle de bain, ça va. Et j'ai lancé une lessive. Donc voilà. Donc on est pas mal. J'ai écouté Tiziri pendant ce temps-là. Je vous avoue, je suis pas emballée plus que ça. Alors, c'est une voix de femme encore. Comme je vous le disais dans un autre vlog, je crois, j'ai un peu de mal, je pense, avec les voix de femmes. Mais celle-ci est moins pire, entre guillemets, que les autres. Enfin, j'ai un peu moins de mal avec. Même si c'est une voix de gamine, ça passe mieux. Ça passe mieux maintenant, c'est pas non plus mon kiff de ouf, quoi. Bref. L'histoire. J'ai écouté 2 heures là sur 11. Voilà, je suis pas archi emballée, c'est pas nul, même si j'ai déjà relevé 2-3 trucs que je trouvais un peu absurdes. Et j'ai un gros 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 coup de barre. Je pense que c'est dû au fait que j'ai pas mal rangé. Et puis j'ai cette douleur dans les côtes là qui revient. C'est. Je vais pas dire que c'est insupportable, mais ça m'essouffle encore plus, ça me fait mal. Du coup après, je suis obligée de me tenir. De tendre mon bras comme ça. Je pense que je vais me poser allongée, histoire de détendre un peu, enfin de me détasser. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça arrive surtout quand j'ai été assise longtemps.
Cette fois, j'y ai pensé parce que Mélo m'a encore fait la remarque. Ah, mais tu postes jamais le résultat de ce que tu fais. C'est vrai, que ce soit quand je cuisine ou quand je fais des travaux. Donc voilà, Mélo, c'est pour toi. ce sont des gâteaux amandes huile d'olive. Il se trouve que j'ai goûté ça dans un restaurant à Paris il y a 2 semaines et j'ai trouvé ça trop bon. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais tenter. Donc c'est vraiment une tentative en l'occurrence. Ce qui me saoule, c'est que je devais mettre 2 grammes de sel et ma balance a merdé et du coup elle n'a pas affiché. Je saupoudrais, elle n'a pas affiché et je suis passée de 2 à 4. Donc j'ai peur que ce soit pas ouf. Et l'autre chose qui me. Alors après, les temps de cuisson, c'est toujours un peu compliqué à gérer. C'est un peu l'autre truc qui m'inquiète, entre gros guillemets. C'est que ça a l'air cuit. Mais c'est la recette a été pour pour, vous savez, les gros moules à manquer. Et moi, comme d'hab, maintenant, je le fais sous format de portion individuelle parce que ça sèche moins vite, c'est plus facile à conserver et à manger, c'est moins. Pas obligé d'en manger trois. Donc voilà, je voulais tester ça et bah, du coup, les indications de cuisson sont nécessairement pas les pas adaptées. Donc à chaque fois, je tente des petits trucs. Donc bah, écoutez, on va voir, on va laisser refroidir et puis après, je démoulerai. Mais là, pour l'instant, je vais me passer des fringues un peu plus potables et je vais bah, retourner en ville pour déposer ça. Puis c'est 4 nouveaux colis Vinted qui ont été des livres qui ont été achetés depuis mon dernier passage, donc mardi. Voilà. Et j'ai encore quelques livres à mettre sur Vinted. Franchement, il y a des trucs. Là, c'est mes derniers cartons, mes dernières enveloppes. Je sais pas comment j'enverrai le reste. Si vous avez des astuces de colis ou de trucs que vous récupérez pour envoyer des colis Vinted, n'hésitez pas à me le dire parce que là j'arrive au bout des enveloppes à bulles que je reçois moi-même quand je reçois des SP ou des livres que j'achète et j'en avais qui dataient de 2021 si vous voulez. Donc je suis très heureuse de les avoir gardés au cas où, hein, comme dit, mais ça suffira visiblement pas. Oh là, je vous reprends, j'ai pas l'heure. Il est 19h30, on est vendredi. Je vous ai pris rapidement tout à l'heure pour vous montrer les gâteaux que j'avais fait. Je vois ma plante verte là-bas. Je sais pas si vous allez la voir. Là-bas, là. Elle est en phase de décès. Donc, je suis sortie parce que j'avais des colis Vinted à déposer. Ça, c'est fait. Il faisait super beau. J'étais trop heureuse de pouvoir aller faire un tour en ville et j'ai craqué parce que oui j'ai craqué donc je vais vous faire un petit haul mais haul vêtements de bébé vous êtes prévenus hop mais c'était trop mignon je suis passée chez du pareil au même et j'ai trouvé cette petite robe trop mims à moins 40%. Donc je me suis dit let's go. C'est du 3 mois. Et réponse très. Enfin, remarque très très intelligente de mon mari, c'est que quand notre bébé aura 3 mois, nous serons au mois de novembre. Donc à toutes les mamans qui passent par ici, est-ce qu'on peut mettre des tenues de 3 mois à des bébés qui font, je sais pas, moi, un mois et demi. Histoire que ce soit bon pour la rentrée et les jours où il fait encore un peu beau, quoi. Même si, bien sûr, un petit truc comme ça, on met un body manche longue, un gilet et un collant, et puis j'imagine que ça peut le faire. Mais comme dans les magasins pour bébés, on ne trouve pas de vêtements pour les tailles 1 mois. Enfin, 1 mois en gros, j'ai trouvé des pyjamas et des bodys. Mais les vraies petites tenues, comme celles que j'ai achetées, c'est à partir de 3 mois, quoi. Donc je sais pas si je peux les mettre à un bébé plus jeune. Aucune idée. ensuite, j'ai trouvé un petit ensemble, mais d'une mignonitude hallucinante. C'est chez Sergent Major cette fois. C'est une petite robe
hop, une petite robe comme ceci, avec du coup la petite culotte de couche, on va dire, culotte de couche. Voilà, avec des petites bretelles croisées comme ça dans le dos. Et en fait, le body qui était vendu avec est trop mignon. Et c'est un body t-shirt, donc je pense qu'on peut mettre ça assez facilement avec un legging ou un collant et un petit gilet. Petit gilet d'ailleurs qui était là aussi en promotion. Voilà, et ça pour le coup, je sais qu'un petit gilet, on peut les porter assez rapidement en retournant les manches. Donc voilà, je pense que. Est-ce que je vous l'ai dit? Est-ce que je vous l'ai pas dit? Je ne sais pas. J'avais mon écho du deuxième trimestre vendredi dernier. Donc ça fait une semaine qui a confirmé que nous attendions une petite fille. Je pense que vous vous en doutiez un peu en voyant la gigoteuse et le. Non, ben non, ben non, Chess. Non, tu sors. Allez, tu sors de là. Non, allez. Tu sors de là. Allez. Voilà. La lutte contre le chat qui rentre dans le berceau. Bah ouais, t'as pas le droit. T'as pas le droit, bébé. Interdit. Non. Oui. Donc voilà, ça a confirmé que nous attendions une petite fille. Je suis super contente. Alors, je suis pas du genre rose bleu. Hein. J'adore le bleu. Voilà. J'adore le vert. J'adore le orangé. Un peu comme ça, quoi. Bref, vous avez compris. Maintenant, c'est très difficile, je trouve, d'avoir des vêtements pas trop genrés. Donc là, voilà, j'ai acheté des trucs bleus, mais il y a des petites fleurs partout. Le seul truc, on a vu une petite combinaison, une petite salopette en jean orange, trop mignonne. J'avoue, j'ai failli craquer. Mais elle me paraissait très grande, même pour du 3 mois. Avec des chats, enfin des chats dans les petites poches, enfin, c'était choupi à mort. Ça va être un problème, moi, les fringues de bébé, je pense. Bref, du coup, voilà, je suis pas du genre. Enfin, j'ai pas envie de trop genrer. En tout cas, le rose, c'est niette. J'ai failli craquer. En fait, si je suis rentrée dans le magasin, le premier magasin, c'est parce que j'avais vu une petite robe en tissu coton très, très, très léger, blanche, avec une petite. Voilà, juste une petite. Oh, bref, on va dire une petite frise de petites fleurs un peu rose, violette, dorée. Enfin, c'était super mimes. Mais c'est là que mon conjoint m'a dit que pour le coup, c'était peut-être un peu léger pour le mois de novembre. Donc je me suis rabattue sur du jean. Voilà, j'avais trop envie, c'était trop joli. Bref, tout ça pour dire que, un, j'ai pas envie de trop genrer, mais que malheureusement, les magasins de vêtements pour bébés laissent pour l'instant assez peu de choix pas trop genrés. Et deuxième chose, si parmi vous, c'est possible, on ne sait jamais, certains d'entre vous connaissent mes parents et ont l'occasion de leur parler, les croiser, je sais pas, moi, au détour d'un café, n'importe où. Ma mère ne veut pas connaître le sexe du bébé. Où je sais qu'elle ne regarde pas mes vlogs. Sinon, je ne vous montrerai pas tout ça. C'est pour ça aussi que je ne montre pas ça sur Instagram, parce que pour le coup, elle me suit sur Insta. Donc, ne lui dites pas, essayez de garder ça à l'esprit, s'il vous plaît. Gardez-lui la surprise, elle ne veut pas savoir. Ma grand-mère, mes grand-mères non plus d'ailleurs, a priori. Donc voilà, on va. Moi, je me fais plaisir. Mais il faut pas leur dire. Voilà. Si jamais, hein, je sais pas, par une probabilité. Très faible, qu'un de mes cousins passe par ici ou quoi. Bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai passé un très bon vendredi, que j'ai trop hâte d'être demain, où je vais sûrement aussi craquer mon slip, mais plus pour des vêtements pour moi, du coup. Et que là, il est du coup bientôt 20h, je pense. Je vais. Peut-être passer ma soirée tranquille ou bilou toute seule, donc je vais avancer dans le Kate Morton. J'ai lu 150 pages en tout, je crois, pour l'instant. Donc j'avance. En fait, c'est un livre très descriptif. Enfin, c'est un Kate Morton, donc ça se bouffe si on fait pas gaffe, mais si on souhaite prendre son temps, c'est tout à fait possible. Donc là, pour l'instant, j'ai décidé d'être sur le mode je prends mon temps. Ah, et j'ai un goûteur qui a goûté les gâteaux qui m'a dit que c'était bon. Et il n'a pas réussi à savoir ce qu'il y avait dedans. Alors qu'on en a mangé un comme ça il y a 2 semaines. Voilà.
Je me suis arrêtée de cuisiner parce qu'il fallait que je vous montre un truc. Voilà, je vous présente Chester. Je sais pas si vous vous souvenez de cette boîte, mais dedans il y a encore mes chocolats que j'avais commandés pour me faire mon calendrier de l'Avent, chocolat chaud. Coucou! Ça va dans ta boîte là? T'es bien? Bref, c'était ça que je voulais vous montrer. Et en fait, je suis en pleine confection. Peut-être pas abusée. D'un risotto. Merde. Oups. J'ai mis de l'eau bouillante dans un fond en plastique. Outre le fait que c'est pas terrible, terrible. Merde. Le truc a pété. Attends. C'était vraiment un pot en plastique tout naze. Donc c'est la fin du pot tout naze. Bref. Et bien écoutez, je vais en profiter tant que je suis là avant de reprendre la confection du risotto. Pour vous dire que j'ai terminé Tiziri, j'ai un peu rush sur la fin, je l'ai mis en x1.2 puis x1.5. L'héroïne m'a gavé de ouf. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû suivre. J'en avais marre, en fait, elle passe son temps à dire qu'elle est en colère, qu'elle est furieuse, qu'elle a la rage. Le niveau de langage, pour moi, alors je pense que ça appartient, c'est ok pour un jeune public. Mais peut-être que je suis trop vieille maintenant pour kiffer. Hein. Voilà, c'est un peu c'est un peu comme ça que les personnages parlent. Voilà. Ah, mais c'est quoi ce machin là? Enfin. Ah, ça m'a saoulée. J'ai noté d'autres exemples parce que vraiment ça m'a gavé. Mais bon, c'est comme ça. Hein. En fait, surtout ça, surtout les personnages. Parce que autant le reste, rien de neuf. Hein. Franchement, l'univers est un peu cool. Mais à part ça, c'est pas dingue, quoi. Faudra que je vois si c'est classé en SF, en fantasy ou en science-fiction. Je serais curieuse parce que très clairement, c'est de la fantasy. Ah, oh. Mais je sais que les classifications sont pas toujours ouf. Donc voilà. Alors attendez, j'essaie de vous poser. Donc voilà. Ça m'a. Bah, j'ai pas passé un super moment, sans que ce soit un mauvais moment non plus. Disons que j'ai passé un meilleur moment qu'avec les 12 rois de Charakai. Oui, que depuis tout à l'heure, je dis que c'est un risotto, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est un risotto. C'est mode de cuisson de risotto, mais pour de l'épaule. Hop. Pour changer un petit peu. Ah oui, et donc du coup, voilà. Tiziri, c'est bon, l'univers, ok. Pourquoi pas, maintenant le personnage principal m'a gavé. Il y a plein d'expressions qui m'ont saoulée. Sur la fin, tous les rebondissements étaient trop évidents et trop chiants. Plusieurs fois je me suis dit, ah bah si l'autrice est originale, elle laisse la porte ouverte à ça, mais elle va éviter cet écueil et bah non. Donc je ne lirai pas la suite parce que en plus ce qui est présagé dans cette suite ne me plaît pas du tout. Deuxième lecture, et ben je lis Les Heures lointaines de Kate Morton et je prends mon temps. Je pourrais le bouffer parce que les fois où je mets vraiment à la lecture, j'avale 50-60 pages super vite. Mais bah, j'y retourne pas très souvent. Je pense que du coup je vais commencer Systra en audio assez rapidement. Comme ça, ça... en fait... je vais pas dire que c'est dommage que tous les autres livres du Plume ne soient pas en audio, mais c'est une façon de lire assez. Disons que ça permet de lire assez facilement un truc qu'on n'a pas forcément envie de lire sans se bloquer sur d'autres lectures en fait. Ça m'arrive de lire plusieurs livres en même temps, mais en l'occurrence, moyennement. Donc je préfère avoir l'audio quand je marche et le papier quand je rentre. Donc voilà. Et sinon, aujourd'hui, on a fait une virée. Je vous ai même pas dit quel jour on était, on est lundi. Aujourd'hui, on a fait une virée Le Roi Merlin. Et on est passé chez un carreleur pour choisir le carrelage des toilettes. Wouhou! Le Roi Merlin pour acheter les derniers outils qu'il nous faut pour finir mon parquet dans le... qui n'est pas fini. Hein, ce que je vous ai montré dans le dernier vlog, c'est pas terminé. J'ai fait les parties que je pouvais, mais vous avez bien vu, mon pistolet à colle, il a éclaté. C'était pas de la bonne qualité, c'est comme ça. Donc là, j'ai pris la meilleure qualité pour le sujet.
Voilà ce que je peux vous dire pour ce soir. Et sinon, au niveau de la forme, c'est pas. Ça va, ça vient. En fait, je suis en forme. J'arrive à me déplacer, à faire plein de trucs que je pouvais pas faire il y a un mois et demi, 2 mois. Mais par contre, je commence à avoir d'autres effets secondaires de la grossesse qui sont pas forcément top. Là, c'est pas. Alors, heureusement, parce que je sais qu'il y a des femmes, c'est tous les jours. Moi, c'est pas souvent, je dirais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, où en fait j'ai des grosses brûlures d'estomac. Mais genre, le truc, je pensais savoir ce que c'est que des brûlures d'estomac. En fait, je ne savais pas. C'est vraiment brûlure jusqu'à l'entrée de l'œsophage. J'ai l'impression que je vais cracher du feu, c'est terrible. Donc, j'ai des médicaments pour ça. Mais que je ne peux prendre qu'après manger. Donc, comme j'ai commencé à avoir vraiment mal en milieu d'après-midi, que je savais pas trop quand est-ce que j'allais manger, tout ça, bah, je suis pas très très bien depuis 15-16 heures. Et j'ai toujours très mal aux côtes. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai une espèce de point de compression. Je pense que c'est musculaire. Au niveau des côtes, mais seulement du côté gauche. Et c'est même pas les côtes du bas, hein, c'est vraiment sous la poitrine. Et quand je suis en position assise trop droite, trop longtemps, ça me fait mal. Et le seul moyen de soulager, c'est vraiment de m'étendre et de m'allonger. Ou de me mettre en position semi-assise. Mais voilà, c'est pas dingue, dingue. Sinon, à part ça, tout va bien. Le bébé va bien, ça bouge. Et comme vous le voyez, j'ai repris une vie beaucoup plus active. Je marche pour aller au bureau. Donc ça me fait trop plaisir. Comme je fais 2 allers-retours, généralement je rentre le midi puis c'est pas trop loin, bah, ça me fait ouais, une bonne heure de marche dans la journée. J'ai été à la piscine, j'ai pas encore repris le sport à la maison par contre. Plus une question de motivation, je pense, qu'autre chose, mais voilà. J'ai repris les activités, voilà, j'ai un rythme de lecture un peu plus soutenu. Je cuisine beaucoup, même si c'est jamais des trucs très compliqués. Donc voilà, j'ai ma vie à repris. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Puis on se retrouve demain. Je vous reprends, on est mercredi, c'est ça, mercredi 19 avril. Et je vous reprends du fond de mon lit, il est 19h10. Ça fait un peu plus d'une heure que je suis rentrée et que je me suis couchée. Alors, la première raison, c'est parce que je me sens super fatiguée. Là, ça fait 2-3 jours, je dirais, que j'ai des grosses fatigues. Et la deuxième raison, c'est que j'ai de plus en plus mal aux côtes. Je ne sais pas ce que c'est. Mon médecin m'a dit que c'était pas en rapport avec la grossesse et qu'il n'y avait rien à faire. Ma sage-femme m'a dit, essaye de mettre du chaud. On m'a dit, prenez de l'oliprane. Mais ça ne passe pas. Voilà, ça plus la fatigue est égal, je me suis mise au lit et j'aurais pu rester dans le salon. Mais même allongée sur le côté, c'est pas dingo. Voilà, et le Doliprane, ça fonctionne pas super bien et j'ai pas envie de me gaver de Doliprane à longueur de journée. Donc j'en ai pris, généralement j'en prends un en milieu d'après-midi quand vraiment ça commence à faire bien mal. Et ça passe pas, mais j'imagine que c'est... Je pense que c'est moins pire. Hier, j'en ai pas pris. Aujourd'hui, j'en ai pris. Et effectivement, c'était moins pire. Et puis hier, j'en ai pris un hier soir parce que, avant de dormir. Parce que tout simplement, même allongé, ça passait pas. Sinon, niveau lecture, j'ai pas du tout bien avancé dans les heures lointaines. Je prends mon temps. Voilà. On va pas se mentir. Je suis à 235 pages, je crois, quelque chose comme ça. Un peu moins, ça doit être 225 peut-être, sur les 800 pages de cette grosse bricasse. J'y vais tranquillou, même s'il y a déjà des petits points un peu mystérieux. Là, je suis. Alors, on a une histoire qui est découpée, comme souvent avec Kate Morton, entre des passages dans le passé et dans le présent. Le présent étant 1992 dans ce livre-là, je crois, et le passé 1941. Donc là, je suis en 1941. Et c'est vachement cool, voilà. Et mon autre lecture du moment, je vous l'ai pas dit. Est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais pas. Et comme j'ai terminé Tisiri
et que bah, je vais toujours au travail à pied, n'est-ce pas, 3 fois par semaine, et bah j'ai commencé Systra. Voilà, je me suis dit, en fait, je voulais un truc à écouter. J'avais plus trop envie de podcast dans l'immédiat, ça va revenir. Jusque-là, j'avais bien envie d'un livre. Je ne savais pas quel livre, en l'occurrence. Parce que j'ai plein de crédits audio, mais voilà, il n'y avait rien qui me tentait de ouf. Et je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant avancer dans mes lectures du PLIB. Donc j'ai commencé Systra et il me reste 9 heures d'écoute. Pour tout vous dire, je suis passée à une écoute 1x2. Enfin, x1,2. 1x2, n'importe quoi. x1,2, disais-je. Parce que voilà, et en plus j'ai bien fait, parce que même en x1,2, il y a des temps de pause qui sont intra-chapitres, enfin dans les chapitres, qui me paraissent un peu longues, même en x1,2. Je pense que ça doit être des passages dans le texte qui sont ouais, peut-être des ellipses ou des souvenirs, ou je sais pas trop comment c'est présenté en e-book. Pour l'instant, c'est intriguant, ça me plaît bien. J'aime mieux que Tisiri, c'est quelque chose qui me correspond mieux. En tout cas, pour l'instant, on est sur de la dystopie. Et voilà. Et sinon, dernière chose, j'ai commencé. Je sais pas si je vous ai dit, mais on a enfin terminé, ça fait 1 an et demi qu'on y est, Desperate Housewives, qu'on regardait depuis ben, le début de Disney+, puisqu'on a pris Disney+ pour ça. Hein. On a pris le temps, voilà, on a regardé, généralement c'était 1 à 2 épisodes certains soirs, enfin bref, voilà, on a vraiment pris le temps. On a terminé, je suis très contente, on n'avait ni l'un ni l'autre vu rien du tout, hein, donc du coup on a tout découvert ensemble tous les deux. On a enchaîné sur Mad Men qui est, non mais non, oui, qui est grosso modo l'histoire d'un... Il y a plusieurs personnages principaux, on va dire, d'un groupe de publicitaires dans les années 60 à New York. Je vais faire dégager mon chat du berceau. Chester, tu sors de là. Allez. Voilà. Il sait qu'il n'a pas le droit. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. J'avais déjà vu la saison 1 et le début de la saison 2. Donc là, on a redémarré avec mon mari ensemble et on est à la saison, début de la saison 3. Pareil, on prend notre temps. Il y en a eu 7, je crois. Et de mon côté, quand je suis seule, j'ai repris Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, c'est un peu comme Desperate. Desperate, c'est faux. Je vous dis que j'avais jamais rien vu, mais j'avais vu le premier épisode parce que à l'époque où j'étais ado, c'était le truc que mes copines regardaient bah, du coup les soirs où ça apparaissait à la télé sur M6, j'imagine, et elles en parlaient sur le chemin du collège. Et moi, je suivais pas du tout. Et on m'avait dit mais si, tu vas voir, c'est trop bien. Et du coup, j'avais dégoté la saison, l'épisode 1 de la saison 1 en streaming. J'avais pas du tout aimé, vraiment pas du tout, j'avais pas accroché au principe de la voix off, tout ça, enfin bref. Bah, Grey's Anatomy, c'est une histoire un peu similaire, à savoir qu'en fait, moi j'aime beaucoup les séries hospitalières, faut savoir, je vais pas dire que ça fait partie de ma passion, mais j'aime beaucoup, par exemple, j'ai l'intégrale de Doctor House chez moi. Je les ai achetées en DVD, et non, vraiment, j'aime vraiment beaucoup, j'en ai pas vu énormément. Bah du coup juste Doctor House je pense, mais bon c'est vrai que voilà, quand il y a des épisodes, j'avais commencé New Amsterdam aussi quand ça passait sur TF1 il y a 2-3 ans je pense maintenant, et donc Grey's Anatomy, j'étais partie d'un mauvais pied parce que en zappant à la télé j'étais tombée sur un épisode où en fait ils chantent tous, et globalement je me souviens, je crois que c'était un épisode lié à un accident de voiture. Enfin bref, voilà. Je sais même pas si moi je l'ai dépassé à l'heure actuelle. Mais en tout cas, ça m'avait choqué. J'étais en mode, tiens, je suis pas là pour regarder une comédie musicale, ça me saoule. Et voilà. Et enfin, c'était plutôt un drame musical, puis c'était pas drôle du tout. Et donc voilà comment c'était parti. Puis finalement, avec le temps, j'ai fini par me dire, allez, vas-y, essaye. Et donc, Grey's Anatomy, c'est typiquement le genre de série comme Gossip Girl où en gros, je m'avale. Enfin, j'ai des périodes comme ça où je suis boulimique de Grey's Anatomy. J'avale des épisodes, des épisodes, des épisodes. Ça me saoule au bout d'un moment. Donc j'arrête. Je laisse passer 1 an. 1 an et demi. 2 ans. Là, ça fait depuis 2019 que j'avais pas re-regardé Grey's Anatomy. Et donc,
Je reprends en fait à chaque fois où je me suis arrêtée. Merci Siri Box. Et donc là, je m'étais arrêtée à la saison 3, épisode 18. Donc hier, saison 3, épisode 19. Et je vais essayer d'avoir une consommation beaucoup plus raisonnée et régulière de cette série. Pour pas me dégoûter déjà. Et aussi parce que j'ai envie d'accorder du temps à autre chose, à savoir mes lectures. Tout en ayant voilà un petit truc que je peux regarder moi tranquille quand je veux poser mon cerveau et voilà quoi. Donc tout ça pour vous dire que depuis le fond de mon lit ce soir, ben, je vais me mettre un petit épisode, ce qui nous fera arriver vers 20h. Je suis pas sûre d'avoir faim à 20h. Pourtant j'ai plein de restes de plein de trucs dans le frigo. Vraiment, on a beaucoup cuisiné début de semaine. Et du coup, on a plein de restes pour la fin de semaine, ce qui est super cool. Mais comme j'ai pas faim, c'est moins cool. Je vous reprendrai sûrement demain et vendredi pour clôturer le vlog. Et voilà, pas de grosses news ces deux dernières semaines. À demain! A few moments later. Hello! Non, j'ai pas bougé. Je vous reprends, on est jeudi matin. Juste pour vous dire que. Quand je vous disais que j'allais avoir une consommation raisonnée de Grey's Anatomy, et ben ça s'est pas passé comme prévu parce que du coup j'ai enchaîné 5 épisodes hier, je crois. Et donc je me suis couchée très tard. Et une fois couchée, j'ai eu du mal à m'endormir. Voilà. Même 6 épisodes, je crois. Parce que du coup j'ai fini la saison 3 et. Je fais assez souvent ça. J'ai commencé la saison 4. Voilà, juste le premier épisode, histoire de retrouver les personnages et de pas rester sur les cliffhangers de fin de saison. Voilà. Donc là, pour tout vous dire, outre le fait que je bâille, que j'ai mes yeux qui tirent un peu, eh ben il faut que je me lève parce qu'il est 9h30 presque. Je suis censée bosser quand même. Et j'ai du travail. Mais c'est dur. Et il y a Chester qui a faim. Tu veux manger? À manger? Ouais. Ah, ça, c'est une phrase qui lui parle beaucoup, ça. Ouais. Ouais. À manger? Ouais, bah oui. 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 Je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée quand j'aurai fait d'autres trucs. C'était juste pour vous dire que bah, ça marche pas du tout mon truc de consommation raisonnée. Hein, voilà.
On est samedi 22 et j'ai enfin fini mon parquet. Et du coup, pour pas que Mélo me dise mais tu montres jamais le résultat final, et ben je vais vous le montrer. Hein, voilà. Donc voilà le résultat final. Je sais pas si j'ai une photo d'avant, mais voilà. Pour info, celle-ci là. Celle-ci qui est horriblement moche, parce que pas de la même couleur, c'est parce qu'on en a perdu une, je ne sais pas comment, on l'a cherchée partout, on l'a pas retrouvée, donc du coup bah, on a fait avec ce qu'on pouvait. Et j'ai essayé de la cacher en la mettant le plus loin possible du reste, mais voilà, c'est un peu la dèche. Ça, c'est dégueulasse, je le sais, mais ce sera changé, parce que voilà. Je vais faire changer le carrelage des toilettes. Donc voilà, bon, il est tout tordu, mais j'installerai un nouveau seuil. Voilà. Il n'y a plus de trous. Et je suis contente, je pensais que ça me prendrait beaucoup plus de temps. Alors, je vous dis ça, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. 19h22. Ce qui est tout à fait honnête, puisque on est resté très 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 tard au lit aujourd'hui. Mais entre temps, on a quand même lancé une lessive, fait des bonnes courses. J'ai nettoyé la salle de bain. Marie s'est occupée de la cuisine, des toilettes. Donc il me reste encore quelques petites choses à nettoyer demain. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment plutôt contente. Ah, et on a acheté un aspirateur. Oui, on a un aspirateur robot. Mais il y a sûrement quelqu'un qui viendra m'aider pendant mon congé mat après, je pense, la naissance du bébé. Et donc, bah, quand on fait intervenir une société de ménage pour des ménages... Alors, pas des ménages ponctuels, justement, des ménages... classique, voilà, hebdomadaire, et ben il faut proposer le matériel qui va avec, et donc voilà pourquoi on a acheté un aspirateur. J'ai pas lu, franchement, ces deux derniers jours, vraiment j'ai pas lu, j'ai bouffé du Grey's Anatomy, j'ai honte, mais voilà, je pense que c'est ce dont j'avais envie, donc j'ai pas lu, et puis voilà, le week-end prochain on n'est pas à la maison. Ah si, hier on a fini tôt, on a encore été faire quelques petites courses pour le bébé. Je vous montre pas parce que j'ai tout mis, enfin globalement c'est des trucs blancs et un peu écrus, et tout est passé à la machine, donc c'est à sécher. Puis demain j'aurai pas grand chose à vous montrer, je pense. Enfin demain, bah non, on est dimanche, donc en fait il faut juste que je monte le vlog. Et du coup bah, vous ne l'aurez, enfin, sauf si je le monte ce soir, vous ne l'aurez pas avant demain soir, ça c'est sûr. Je pense. Donc demain, milieu, fin de journée. Je pense que je vais pas lire davantage maintenant. Je vous ai dit que j'avais commencé Systra, j'aime bien. C'est sympa. Ça me plaît davantage que Tiziri déjà. Et puis j'ai dans les heures lointaines, j'ai à peine avancé. Vraiment, j'y vais tranquillou. Je reprendrai la caméra, je pense, la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine. Pour un nouveau vlog de 2 semaines. Puisque bah, mine de rien, 2 semaines par 2 semaines. Bah on approche, je peux dire qu'on approche dangereusement de la fin, mais la grossesse voilà, va arriver à son terme. ça va venir très vite, honnêtement ça va venir très 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 vite. Donc voilà, c'est un peu mon journal aussi, hein. c'est un peu ça les vlogs. Du coup niveau santé tout va bien, j'ai pas eu à nouveau de grosses brûlures d'estomac comme je vous l'avais dit la dernière fois. Donc ça va. En fait c'est terrible parce que à chaque fois que ça va mieux, on oublie à quel point c'est dur quand ça va pas. Donc là en fait je me dis oh bah la prochaine fois, allez une fois de temps en temps je peux bien prendre du Gaviscon, même si ça me fait vomir. Je sais très bien que j'aurai pas le même discours quand j'aurai à nouveau très mal. Voilà, et sinon toujours des douleurs aux côtes, c'est de moins en moins pire, j'ai l'impression, en tout cas dans les journées où je suis très active, très mobile, où je marche beaucoup, je le ressens pas. C'est vraiment quand j'ai des journées très sédentaires où je reste assise longtemps que ça me fait mal, voilà. Et ma foi, bah le bébé est toujours aussi actif, donne des coups, beaucoup, et j'ai une contraction légère, très très légère, de temps en temps. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous allez bien. Merci comme d'habitude d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Et puis bah comme d'hab, je vous attends en commentaire pour discuter bah, de lecture, des 2 dernières semaines qui sont passées pour vous. Tout ça, tout ça. Voilà.